Évidemment, vous vous en doutez, les accès sont très sécurisés. Parce que vous n'imaginez pas, évidemment, le nombre de montres et le nombre incroyable aussi de pièces de joaillerie qu'il y a au Watch & Wonders. Et donc, c'est une occasion pour nous, inespérée, de vous faire pénétrer dans un nouvel épisode. Vous avez reconnu Ander, évidemment, on est chez Tudor, mais cette année, ce n'est pas lui qui va nous faire la présentation de la Talking Piece, c'est Ludovic, mais je ne pouvais pas ne pas vous montrer les plus belles chaussures du salon. Bon, les toqués du Tic Tac, on n'est pas n'importe où, hein. On est quand même sur le bateau Alinghi Red Bull Racing. Eh oui, on a décidé de faire de la voile avec Ander. Ils m'ont changé Ander. Eh oui. C'est pas Ander, c'est Ludovic cette année. Il faut savoir varier les plaisirs. Il paraît qu'il est bien meilleur qu'Ander. Enfin, Ander, non, mais c'est pas vrai Ander. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes comme Talking Piece? Alors, la Talking Piece de cette année, il s'agit de la Black Bay 58 GMT. Disponible donc sur bracelet 3 mailles riveté ou sur bracelet caoutchouc. Et je crois que la GMT était très attendue. Totalement. C'était un souhait qui était récurrent de la part de notre clientèle. On l'a vu également sur les réseaux sociaux. Et puis, c'était aussi notre volonté de pouvoir offrir une GMT sur ce modèle-là. Elle est dans les couleurs. Vous le verrez en gros plan. Elle est délicieusement vintage. Bien sûr. Donc, effectivement, les choses les plus apparentes... Ici, donc, on a le gilt dial avec le rose gold sur le cadran, que ce soit les index, du poudré or rose sur la décalque, et puis sur l'insert de la lunette, donc on a effectivement le noir et le bordeaux avec les chiffres en doré rose également. Le petit twist qu'on a fait par rapport aux autres versions Black Bay 58, c'est effectivement la terminaison de la lunette qui est beaucoup plus brillante que les versions plus mates que ce qu'on avait avant. Et du coup, en fait, ça augmente un petit peu ce côté vintage. D'accord. C'est une impression ou j'ai l'impression que la lunette, elle tombe un peu dans l'angle, un peu plus vers le... Elle est légèrement plus conique, exactement. Ouais, pour épouser un peu la glass box, non? Exactement. C'était aussi notre volonté d'avoir en fait un profil de carrure qui soit le plus fin possible pour avoir cette... Cette sensation de finesse, mais t'es pas quand même sur le record de Bulgarie quand même. Évidemment non. Hein? Pour autant, on a effectivement une épaisseur de 12,8 mm. 12, c'est bien. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus petit. Pour ça, on a intégré donc un module GMT sur notre mouvement inter, sur le MT54. Et puis voilà, le résultat, on est... Bon, qu'est-ce qu'on pense? On rappelle que s'il y a deux couleurs déjà... C'est évidemment, c'est l'indicateur jour-nuit. Tout à fait. Hein, parce qu'on voit souvent, on va dire, des montres pas très fréquentables où ils mettent des lunettes comme ça pour faire bien, il n'y a même pas l'aiguille GMT. Donc, tu vois, c'est un peu ridicule. Là, au moins, il y a l'aiguille GMT. Et effectivement, chez nous, on ne fait pas ça. Ah bah non, c'est sûr. Est-ce que le bracelet est interchangeable? Je ne saurais pas laquelle choisir. Oui, il l'est. Pour autant, ce n'est pas un... C'est pas un easy click. Un easy click, exactement. Voilà. Mais tu peux assez facilement aller chez le détaillant Tudor et te faire acheter l'autre bracelet et te faire monter, par exemple, un caoutchouc pour les vacances et celui-là pour aller sous le costume. Tout à fait. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre à l'intérieur? Donc effectivement le mouvement inter dont je te parlais avant, donc le MT54, je ne suis plus sûr des chiffres exactement qui suivent. Ah, t'es plus sûr des chiffres? Malheureusement. Ah, il n'est pas sûr des chiffres. Navré. Ah, le bizutage. Ah, non, non. Il n'est pas sûr des chiffres. Combien voilà, de réserves de marche? Je me suis fait avoir 70 heures. Ah bon, 70 heures, voilà. Quand même, on est bien chez les Suisses. 70 heures, MT54, pardon. Ou pas? Ah, ça l'est, bien. Ça l'est. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que tu portes au poignet? Parce que c'est une nouveauté aussi. Alors, hein. Pour ma part, exactement, je porte la Black Bay 41 mm en noir. Donc, nouveauté également de cette année. Pas qui reprend les codes esthétiques de la Black Bay Bordeaux qu'on a sorti l'année passée. Avec ici le bracelet 5 mailles qu'on adore avec ce look un petit peu... Très chic, hein? Très chic, exactement. C'est sport chic. Totalement, hein, totalement. Oui. Et la même chose que sur la Black Bay 58 GMT, bracelet tout à fait interchangeable avec la version 3 mailles riveté ou encore le caoutchouc. Bon, après cette présentation, je te propose de mettre les casquettes et puis on va aller faire un petit tour sur le lac Léman. Oh, attendez, c'est moi le barreur. Ah, il y a un barreur qui arrive. D'abord, tu portes quoi le barreur? D'abord, tu portes quoi? Bon, il porte la pièce Alinghi quand même, donc ça c'est normal. C'est toi le barreur? Oui. Allez, vas-y. C'est quoi ton prénom? Andrea. Andrea, suce à l'ennemi
et cap au sud. On est bien là, non? On est bien. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, on est attablé avec un verre d'eau, vous voyez, avec Gabrielle de Montmorin, qui est juste ma consoeur aux échos série limitée. Elle s'occupe de la joaillerie, je m'occupe de l'horlogerie, mais elle s'y connaît vachement bien en montre aussi. Et donc, je lui ai demandé de me sélectionner quelques petites pépites qu'elle nous a découvertes au Watch and Wonders. À toi la parole. Alors, pas facile, parce qu'il y a quand même 54 maisons. Mon premier coup de foudre, Van Cleef et la Lady Harpels Brise d'été, avec ses totalement bucoliques, poétiques. On ne voit même pas exactement les minutes, mais en fait, on s'en fiche tellement c'est ravissant, toutes ces fleurs et ces papillons qui donnent l'heure. Ensuite, chez Patek, la Ellipse, avec un travail de bracelet tout en or, d'une beauté somptueuse, au point que Franck disait qu'on pourrait presque enlever la montre et la porter en bracelet, tellement c'est beau, c'est vrai. Je suis très sous le charme de toute la collection que présente Chanel, qui rend hommage au travail de la couture. C'est plein d'esprit, avec une petite montre, c'est même pas un secret, dans un petit Stockmann qui s'ouvre comme ça, une montre qui est derrière nichée dans un dé à coudre. C'est exquis, merveilleusement fait, tout ce qu'on aime. Et puis, si je dois terminer, Parmigiani, la Torique, merveilleuse d'élégance. Voilà, c'est Parmigiani Fleurier comme on l'aime, et Michel. Vous voyez ce que c'est quand on est une femme qui touche sa bille en horlo et en joaillerie? Les goûts sont justes et les choix sont parfaits. Et c'est vrai que cette Patek Philippe, franchement, avec ce bracelet chaîne fait monter à la main, c'est juste une pire merveille. Voilà, tout est dit. C'est une merveille et ce salon est une merveille. Et toi aussi. Ah, c'est sympa. Allez, on continue. Quand la haute couture rencontre la haute horlogerie, il se passe des moments merveilleux et des découvertes exceptionnelles. On est chez Chanel et on vous a réservé quelques gros plans. Je ne vous dis que ça. Alors, j'ai trouvé une des merveilles du Watch and Wonders. J'en ai une à ma droite. Ah, elle était facile celle-là. Elle était facile, mais il fallait la faire. Et j'en ai une à ma gauche avec cette pendule, cette horloge, je ne sais pas comment appeler ça, cette œuvre d'art qui représente des mannequins de chez Chanel avec un lustre que l'on trouve en haut où le cristal de baccarat a été remplacé par des diamants. L'heure est indiquée par une perle qui fait le tour. C'est absolument sublimissime et je crois que tu as quelque chose à dire sur la clé. Et la clé en fait, c'était la clé de son secrétaire qui a été reproduit parce qu'il trouvait merveilleux tous les détails qu'il y avait autour et il créé autour de cette clé une espèce de chaîne, un sautoir. Donc c'est juste sublime et elle remonte bien évidemment le mécanisme de cet automate quoi. Et quand tu dis il, c'est Arnaud Chastain. Bien évidemment. Évidemment. Ouais. Bravo, maintenant on vous montre l'animation sur l'écran derrière nous. Bienvenue dans l'effervescence de l'atelier de couture de Mademoiselle Chanel avec la nouvelle collection capsule horlogère de la maison de luxe Couture au Clock. Imaginée par le talentueux Arnaud Chastain, directeur du studio de création horlogerie chez Chanel, cette ligne est un gros coup de cœur de ce salon. Dés à coudre, ciseaux, épingles et maîtres rubans, le nécessaire des couturières, petites mains précieuses, envahissent les montres emblématiques de la griffe de luxe. Illustration par l'exemple avec la montre J12 Atelier Couture Automate calibre 6 de 38 mm en céramique noire mate haute résistance à la lunette sertie de 48 diamants taille baguette. Le boîtier est aussi pourvu d'une couronne non vissée en acier avec revêtement noir coiffé d'un diamant taille brillant. Étanche à 50 mètres, cette pièce abrite une scénette remarquable où le personnage de Coco Chanel s'active dans son atelier de couture situé rue Cambon, dont le décor articulé sur 5 niveaux est décalqué sur le cadran. Son corps, sa paire de ciseaux et son buste de couture prennent vie grâce au calibre 6, un mouvement mécanique à remontage manuel à la fonction automate. Véritable prouesse horlogère, il permet, par la simple pression du bouton poussoir, d'animer la silhouette de la créatrice. Offrant environ 72 heures de réserve de marche et visible à travers un fond en saphir, il dévoile aux yeux de sa propriétaire ses 355 composants. Cette édition limitée à 100 exemplaires est servie sur un bracelet d'une grande souplesse, également en céramique noire mate haute résistance, au biseau minutieusement poli, muni d'une boucle triple déployante en acier.
Sur cette J12 couture de 33 mm en céramique haute résistance blanche, les clins d'œil à l'univers de la couture foisonnent. En effet, le boîtier arbore une lunette tournante unidirectionnelle en acier avec revêtement noir mat et une bague en saphir vernis blanc qui présente un motif maître ruban ponctué des 6 lettres Chanel. Rappelant un patron de couture, le cadran laqué blanc sublime le travail effectué sur les aiguilles. Les aiguilles qui égrènent les minutes et les heures sont symbolisées par les deux lames d'une paire de ciseaux. L'aiguille des secondes, quant à elle, prend la forme d'une aiguille à coudre. Étant jusqu'à 200 mètres, cette montre taillée sur mesure pour la plongée possède une couronne vissée en acier avec cabochon en céramique haute résistance blanche. Elle est animée par un mouvement à quartz de haute précision. Cette édition limitée mais non numérotée est livrée sur un bracelet en céramique blanche, très doux au toucher, équipé d'une boucle triple déployante en acier. Le même spectacle se joue sur cette J12 couture de 38 mm, mais sur fond noir. Usinée en céramique haute résistance noire, la montre présente une lunette tournante unidirectionnelle en acier, revêtement noir mat, pourvue d'une bague en saphir vernis noir, avec le motif maître ruban doré. Elle arbore également un cadran au motif patron de couture doré, laqué noir, des aiguilles elles aussi en forme de ciseaux et d'aiguilles à coudre. En revanche, cette version étanche à 200 mètres embarque un mouvement de manufacture à remontage automatique, certifié chronomètre par le très sérieux COSC, et doté d'environ 70 heures de réserve de marche. Indispensable accessoire du nécessaire de la couturière, le maître ruban s'invite sur le bracelet double tour en cuir noir à la doublure et gants en cuir doré de la nouvelle première ruban couture. En or jaune et en titane, la boîte octogonale caractéristique de la montre reprend la forme du bouchon du flacon du parfum iconique numéro 5 et des lignes de la célèbre place Vendôme. Étant jusqu'à 30 mètres, elle se pare d'un charme à l'effigie de Gabrielle Chanel, façonnée en or jaune et en laque noir, discrètement sertie d'un diamant taille brillant sur son chapeau. Il met en lumière un cadran laqué noir contrasté de délicates et fines aiguilles dorées, animées par un mouvement à quartz de belle facture. Inspiré de la chaîne du sac intemporel de Chanel, le bracelet en acier revêtu d'or jaune entrelacé d'un ruban de cuir noir de la première charme couture se pare de différents éléments. Le cadran laqué noir octogonal partage l'affiche avec des charmes reprenant chacun un outil ou un détail de l'atelier de couture, bobines de fil, dés à coudre, épingles à nourrice, buste de couture et bien évidemment, effigie de Mademoiselle Chanel. Et voici en quelques mots et subtils détails les nouveautés de la collection Couture au Clock de Chanel, coup de cœur oblige, vous l'aurez compris. 54 maisons horlogères, évidemment impossible de toutes les faire pendant le Watch and Wonders, on a dû faire des choix, mais là, aujourd'hui, j'ai croisé qui ? J'ai croisé Scarlett. Scarlett, the English writer about watches. Ouais. Qui va nous dire un petit mot. What is the watch you like on this edition? My favorite watch I have seen so far. The baby Tank Louis at Cartier. Yes. I love it. It's just so small and cute. Yes. Yeah. This one? Yes. Et ben voilà, la mini tank, et ça tombe bien puisque on a prévu de faire une émission sur les mini montres. Peut-être que si Scarlett elle est à Paris, on fera l'émission avec Scarlett. Merci pour la traduction. Oui, non? Merci pour la traduction, elle l'a bien dit. Ouais. we made videos about mini watches. Ah. So you're in Paris in September, October, November, I see. Yeah. Yes, maybe. You make the emission, you make the video with us? Let's do it. Allez. Allez, on continue. Quand on rencontre un collectionneur qui s'appelle Franck Sensé, bon, enfin, on l'appelle Francky, hein. Donc, il y a Francky, Franck, son frère, et là, je suis entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'on est devant le restaurant L'Entre-deux, où on a rendez-vous pour un déjeuner quartier. Et Francky, il a un truc spécial, c'est qu'il fabrique sa propre montre. Alors, il m'a dit, ah, elle n'est pas encore prête et tout, mais je peux te montrer le tourbillon. Raconte-nous un peu. Bah, en fait, je suis en train de faire ma propre marque de montre. C'est une marque très, très haut de gamme, hein, qui va se mettre face, on va dire, à Grebol Forcé, mais avec toute amitié. Hein. J'aime Grebol Forcé. Bisous, Antonio. Toi, tu fais des bisous à Antonio ? Ouais, je fais des bisous à Antonio. Et caché, je croyais qu'il n'y avait que moi qui faisais les bisous. Et donc, du coup, c'est une marque qui va vraiment être très... Comment expliquer ça ? Très exclusive. Très exclusive, mais on pourra en faire à peu près ce qu'on veut. Si tu veux que la lunette elle soit en carbone, que le cadran soit à moitié guilloché. Très personnalisable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et c'est une montre qui est réservée aux vrais passionnés de montres. Elle ne sera pas vendue dans des points de vente, elle sera vendue vraiment qu'en B2C. Pour la chaîne dont il est abonné, et en plus c'est un fidèle, un des tout premiers abonnés, il va montrer en exclusivité mondiale le tourbillon, parce que le tourbillon, il est prêt. Venez voir. Alors, ce que vous voyez, c'est la cage tourbillon. Tout ce qui est en gris, c'est en titane, parce que la cage tourbillon, pour éviter qu'elle soit magnétique, on l'a fait en titane. Et puis tout ce qui est doré, bah, c'est en or. Voilà.
C'est, en gros, c'est ça. Ce sera un tourbillon volant qui résiste à 10 000 G. Sont pas bien les abonnés de la chaîne Franck Sensé? Vous n'êtes pas encore abonné? Bah abonnez-vous. 4810 mètres, l'altitude du Mont Blanc. Moins 4810 mètres, la surprise du salon Watch & Wonders. On va voir Laurent Lecamp maintenant. On est quand même un peu avancé dans le salon. On a vu de belles choses. Et c'est toujours un moment, un plaisir de venir chez Mont Blanc. T'as rien préparé? Ça va? Rien, spontané. Vas-y, raconte-nous. Il y a quelqu'un que tu connais très bien, c'est Jean d'Ormesson, qui est forcément très connu. Jean, évidemment, je travaillais avec lui au Figaro. Et que moi, j'ai lu et j'ai été toujours très touché par les mots qu'il utilisait et son sourire, son œil rieur, sa joie de vivre. Sa malice. Je connais à l'instant sa malice et le fait que même arrivé à un certain âge, il avait encore tant à raconter, à dire et qu'il regrettait de ne pas avoir le temps de faire plus. Et il a dit une chose qui était très très juste. Il a dit, le bonheur en fait résidait dans l'inattendu. Ah, c'est joli. Et je trouve ça extraordinaire. Et aujourd'hui, le bonheur, ton bonheur, votre bonheur, réside dans l'inattendu. Dans l'inattendu. Quelque chose où on n'a absolument aucune idée pourquoi Mont Blanc est allé là-bas, alors qu'en fait, Mont Blanc a une légitimité extrême d'y aller. Sur les tops, sur les sommets. On y va, on plonge ensemble. Allez, on y va. Bon, la tenue n'est pas la bonne. Pour la plongée, ça va être difficile. C'est pas une tenue de plongée, j'ai pas. Mais bon. On essaye quand même. On ira vider les bouteilles après. On essaye quand même. Allez, vas-y. Alors, un élément qui est très important, c'est que Mont Blanc. Comme tu sais, on a un ambassadeur clé, c'est Reinhold Messner. C'est le premier homme au monde à avoir grimpé les plus hauts sommets du monde, les 14 plus de 8000 mètres, entre 1970 et 1986, et il les a gravis sans oxygène. Ce qui est très intéressant, c'est que Reinhold Messner, lorsque on discute, il me raconte toujours de nouvelles anecdotes. Il me raconte par exemple que lorsqu'il a gravi les plus hauts sommets du monde, eh bien, la plupart des personnes lui prédisaient qu'il ne reviendrait jamais. Les scientifiques pensaient même qu'il allait être incapable de se mouvoir tout en restant en vie parce qu'il manquerait d'oxygène. Et il a pourtant réussi à faire ce que personne avant lui n'avait réussi à faire et pensait impossible, gravir les plus hauts sommets sur cette planète. C'était le manque de recul aussi scientifique puisque personne ne s'y était attaqué avant lui. Oui, je pense aussi que les marques de gants et de vestes pour la haute altitude n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Dans le sens où grimper à plus de 8000, en 1970, il n'y avait pas le Gore-Tex. C'était pas le même challenge qu'aujourd'hui où c'est quand même plus oui, facilité. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce concept, lorsqu'on a discuté ensemble de zéro oxygène, je lui dis mais est-ce que vous me permettez de l'utiliser dans une montre et de faire une montre qui est dédiée à vraiment à votre carrière? Et il m'a dit mais oui absolument, c'est lié à Mont Blanc. Mont Blanc, c'est la seule marque en horlogerie qui est en fait le nom d'une montagne parce que les fondateurs aimaient le Mont Blanc. Quand on regarde le logo Mont Blanc, c'est la vue du Mont Blanc, vue du ciel avec les vallées glaciaires autour. Et il m'a dit « Allons-y ». J'ai travaillé avec mes équipes, parce que j'ai la chance d'avoir des équipes extraordinaires. J'insiste sur ce point-là. Oui, sans c'est un travail d'équipe, évidemment. Rien n'est réalisable, rien n'est possible. Et j'ai une équipe extraordinaire. Et lorsque j'étais donc avec Reinhold, on a discuté de ce zéro oxygène. Et après, en discutant avec les équipes, on a dit « On va enlever l'oxygène d'une montre, on va le remplacer par un gaz neutre, l'azote. » Sauf qu'en faisant ça, on s'est rendu compte d'une chose incroyable. Si tu arrêtes de respirer maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je meurs. Ou alors, tu ne vieillis plus, mais pendant quelques secondes ou quelques minutes, selon la capacité respiratoire. Mais l'idée, c'est de se dire, quand on arrête de respirer, en fait, on pourrait dire nos cellules ne s'oxydent plus parce que l'oxygène nous oxyde. À chaque respiration, il vient nous oxyder. Une montre, ce que peu de gens savent, c'est que c'est la même chose. L'oxygène qui est à l'intérieur, c'est ça, c'est l'ennemi oxydant du calibre. Exactement, on parle toujours de l'eau, de la poussière, etc. Mais l'oxygène même, quand la montre est fabriquée et l'oxygène emprisonné, il y a toujours un micro taux d'humidité dedans, de toute façon. Exactement. C'est ce taux-là qu'on veut faire diminuer jusqu'à zéro. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et on le certifie. On a une certification pour toutes nos montres zéro oxygène. Le concept est d'autant plus intéressant que ces montres sans oxygène entraînent un processus oxydant extrêmement ralenti, à la fois des composants et des huiles. Ah, mais en plus de ça, quand on voyage, par exemple, récemment nous sommes partis à Singapour, et lors de ce voyage à Singapour, on s'est rendu compte qu'il faisait 20 degrés dans l'avion, mais qu'en arrivant à Singapour, il faisait 45-46 degrés. La plupart des montres, ou beaucoup d'entre elles en tous les cas, prennent un choc thermique. Prennent un choc thermique, qui se traduit par... Un peu de buée ou un peu d'évaporation d'humidité à l'intérieur de la montre. Sauf que lorsqu'on a une montre sans oxygène, qu'est-ce qui se passe? On n'aura plus jamais ce problème-là. Mais dis-moi, est-ce que quand tu as de l'azote, ça veut dire que c'est aussi mieux
pour c'est le déplacement des aiguilles et des rouages et de l'organe réglant, etc. Non, c'est une excellente question. Donc en fait, comme c'est un process qui a un an, on est en train, un an et demi maintenant, on est en train de travailler dessus et on découvre chaque jour. Vous allez découvrir des trucs incroyables. Là, on a déjà découvert que l'oxydation était extrêmement ralentie, donc la montre dure beaucoup plus longtemps. Et c'est unique parce que c'est un process qui est uniquement chez Montblanc aujourd'hui, de remplacer de l'oxygène par de l'azote. Et en plus, je dirais, chez Montblanc, on a une légitimité à le faire puisque c'est inspiré par Reinhold Messner, le meilleur, le plus grand de tous les alpinistes. Iconique. Iconique. Et Reinhold Messner est notre mark maker. Est-ce à dire, même si tu n'as pas encore le recul, que tu sais déjà d'ores et déjà qu'il y aura besoin de moins de révisions sur ce modèle? Alors, on sait d'ores et déjà que tout ce qui est lié aux huiles, aux composants, au vieillissement naturel est extrêmement ralenti. Donc, on sait que ça dure beaucoup plus longtemps. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les premières dans lesquelles on a utilisé les oxygènes étaient vraiment des montres dédiées à l'exploration. 1858, la collection, enfin Reinhold Messner les porte, son fils Simon Messner avec lequel on a couru un marathon en Antarctique pour tester les montres à moins 30 degrés. Vous avez fait un marathon en Antarctique? On est parti avec Simon Messner. Vous êtes juste des grands dingos, vous. On voulait tester. Qui était le premier homme à traverser l'Antarctique? Enfin, ils étaient en duo, c'était Reinhold Messner. En 1989, début 1990, j'ai proposé à Simon, s'il voulait, qui est un des plus grands alpinistes au monde, de venir avec moi en Antarctique pour courir le marathon de l'Antarctique, mais avec une montre. Une montre, je lis sur les lèvres, hein, dont je tiens à dire, hein. Attention. Le mec est malade. Et en fait, on a couru ce marathon de l'Antarctique ensemble avec une montre zéro oxygène. Et ce qui était incroyable, c'est que lorsqu'on dormait sous la tente, ce sont des tentes solaires en fait, on dormait, il faisait 15-20 degrés et on sortait, il faisait moins 20, moins 30 degrés. Il n'a rien. Il ne se passait rien. C'est là qu'il se passait tout du reste. Oui. Parce que la montre restait entièrement lisible. Après avoir fait le marathon, quand beaucoup de coureurs recherchent une batterie pour recharger la montre connectée qu'ils avaient à leur poignet, nous avec Simon, on était tranquillement dans la tente en train de discuter. Parce que notre montre, elle se rechargeait naturellement, en fait, en la portant. Et elle n'avait aucun problème. Donc ce zéro oxygène, on se rend compte que lorsqu'on est dans des situations extrêmes, bah, c'est la montre mécanique qui finalement vient à notre secours et plus la technologie. Et ça, c'est une Mais belle une montre mécanique, fiable. Parce que sans oxygène. Absolument. Parce qu'on sait que sur les montres d'explorateurs, on sait qu'il y a des huiles spéciales. Ce n'est pas la montre de Monsieur Tout-le-Monde. Oui, les huiles sont travaillées, tout à fait. Alors que là, tu as une montre de Monsieur Tout-le-Monde qui peut servir à n'importe quel explorateur de l'extrême. Exactement. On n'a pas encore parlé de la montre, hein. Il m'a déjà fait un quart d'heure. Ah oui, la montre. Il faut comprendre le concept. Nous, c'est la montagne. C'est très clair. Légitimité, zéro oxygène. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans l'horlogerie. Maintenant, pourquoi créer une montre de plongée extrême? Bien, c'est très simple. Quelle est l'altitude du Mont Blanc? Elle va changer de quelques mètres. Même si elle a changé, elle peut changer aussi dans l'autre sens. Vas-y, je te laisse. 4810 mètres à peu près. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une montre de plongée qui irait à moins 4810 mètres? C'est vrai, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, tous les matins, quand je me rasant, j'y pense à ça. Mais tout à fait, pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Et là, Laurent Legrand ouvre la porte de la salle de bain et dit, on l'a fait. Alors, Mont Blanc, 4810 mètres plus, on va à 4810 mètres moins. Et on met zéro oxygène à l'intérieur. Pourquoi zéro oxygène? Tout simplement parce que même en plongée, quelqu'un peut confirmer, c'est William Trubridge, qui est notre nouveau mark maker aujourd'hui, qui est le recordman du monde d'apnée. Il a plongé à 102 mètres sans aucune aide, sans palme. Il a pas sans palme? 4 minutes 10 aller-retour. Il a plongé à 102 mètres, il est remonté. C'est le premier homme au monde à avoir atteint 102 mètres avec une seule respiration. Et quand avec William, on a discuté. Mais comment il peut faire sans palme? Ah bah ça, faut demander à William Trubridge. On en Pierre, discutera après. Pierre Frolin, non c'est mon ami, c'est un ami apnéiste. Pierre, 102 mètres sans palme. Et lorsqu'il a fait ce record en 4 minutes 10, ce qui était assez incroyable, c'est que William, il a dit, écoute Laurent, il y a une chose qui est incroyable, c'est qu'en fait le concept zéro oxygène Reinhold Messner, c'est le concept zéro oxygène dans l'eau, puisque moi, quand je suis dans l'eau, je ne peux pas respirer. Je ne dois pas respirer. Donc c'est pour ça qu'on a une montre qui est zéro oxygène. Donc elle s'inspire de l'histoire avec Reinhold Messner, mais on va maintenant dans la profondeur océanique, mais avec 4810 mètres en limite, qui est l'altitude du Mont Blanc. On reste dans notre univers. Sauf que la montre IC normale, la collection extraordinaire qu'on a lancée avec toutes ces couleurs, elle est étanche à 300 mètres avec la norme ISO, qui veut dire 25% de plus en test. Là c'est pareil, on a voulu mettre la norme ISO 6425. On a dû tester donc à plus de 6000 mètres de profondeur la montre. Donc c'est pas une montre qui s'arrête à 4810 mètres. Je la prends, je me dis peut-être que si je la prends, il va en parler. C'est une pièce qui va à plus de 6000 mètres dans les mers. Elle est certifiée COSC, elle est certifiée ISO 6425 et elle est certifiée zéro oxygène. Trois éléments réunis qui font que cette pièce est complètement unique. 43 mm, full titane, grade 5, mouvement, manufacture, 120 heures de réserve de marche. Elle est d'une incroyable légèreté en plus. Hein. 140 grammes.
alors qu'elle est quand même épaisse parce qu'elle doit quand même résister à des pressions 19 mm. titanesques. Ouais. Pression titanesque. Oh, j'ai eu. Très joli. Je note. Une petite d'Ormesson. La valeur perçue du produit est tout bonnement géniale. L'arrière. Alors, le fond est extraordinaire. On a photographié un iceberg donc, dans l'eau. On a recréé en fait cette photo en utilisant notre technique d'oxydation du titane. On a le saphir qui est un saphir bombé, évidemment, pour aussi pousser à la pression. Là, on retrouve le système où on peut très facilement enlever le bracelet. Et tu clips, ça vient très très vite. Et là, on est en train de travailler sur un bracelet titane qui sera là d'ici quelques mois aussi. Maintenant, tu portes quoi au poignet? Alors, ce que j'ai au poignet, d'abord le matériau utilisé, c'est du CO2 avec de la fibre de carbone. Donc, on a une pièce qui est quand même très légère. C'est une première mondiale. Ça s'appelle Carbo 2, le matériau qu'on a créé. Et ça donne quelles propriétés particulières en termes de dureté, en termes de légèreté, en termes de confort? C'est très proche du carbone. Mais il y a un aspect qui est très intéressant, c'est le vieillissement. Le mélange du CO2, qui est un gaz, donc transformé en matière, qu'on mélange, qu'on va combiner avec de la fibre de carbone, ça crée une sorte de matière vivante qui va évoluer dans le temps. Sa couleur va changer. On a fait un test accéléré de vie sur 10 ans, grâce à un laboratoire spécialisé en Suisse, et on s'est rendu compte que en fait, la couleur change dans le temps. Tu as inventé le carbone qui se patine, toi. De façon inexpliquée. Du carbone donc, voilà. Qui se patine, alors, comme du bronze. Ça a un peu tôt pour dire comment, parce que là, on l'a fait dans les tests en laboratoire, on obtient une certaine couleur, c'est une sorte de gris, un gris plus prononcé qui vient avec le temps. Peut-être que selon comment vous allez l'apporter en tant que consommateur. Puis peut-être, si ça se trouve, la carnation de la peau, tout ça, c'est peut-être des choses qui vont interagir, on ne sait pas. Exactement, c'est une matière magique. Hein, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des montagnes sur le côté, là. Parce que là, il y a des petites montagnes, je ne vous dis que ça. Je peux montrer comment ça fonctionne. Ah, bien sûr, évidemment. Très discret. Ah ok, tu as mis de la matière luminescente sur le boîtier. Pour signer mon blanc. Très intéressant. Ouais. Signature. Après, on a la complication, donc géosphère. Attends, fais voir, mais même à l'intérieur, là. On va faire zéro oxygène. Vas-y. Parce que là, tu as tous les continents qui se dessinent. Les horaires, hémisphère nord, hémisphère sud. Complication qui a été développée par les ingénieurs de Minerva. Donc, c'est le très, très haut de gamme. Et donc, tu as cette lunette qui transforme, évidemment, lorsque tu alignes l'aiguille des heures au soleil à midi, ça te transforme la montre en boussole. Exact. Je crois que c'est ça le système. Je ne suis pas sûr, je l'ai dit de mémoire. Nouveau bracelet Robert. C'est magique. Ouais, avec les petites coutures aussi, qui rappellent vraiment la couleur de la montagne, avec le Super Luminova. Et ça, cette montagne un petit peu qui se signe avec les ultraviolets. L'idée, c'est de signer mon blanc autre chose que par des lettres. Et c'est complètement atypique, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on peut le voir si on le souhaite. C'est là que c'est intéressant. Ouais, mais enfin, il y a toujours l'étoile Mont Blanc sur la couronne quand même. Elle est signée des deux côtés. Bien sûr. Sur le fond de la pièce, c'est là aussi que c'est très intéressant, c'est la face nord du Mont Blanc. Extrêmement compliqué à faire. Donc là, on est sur une partie en trois dimensions. T'as une partie de mat en haut là qui est... assez incroyable, ouais. Donc c'est la pièce noire et c'est le vrai massif du Mont Blanc, recréé uniquement par l'oxydation du titane, parce que le fond est en titane. T'as un fond en titane oxydé? Ouais. Mais comment vous faites des dépôts de matière pour oxyder les choses? Alors en fait, on a une matière qui est le titane, on a plusieurs lasers spécifiques, et à chaque fois qu'on veut créer un fond comme celui-ci, on a plusieurs centaines d'heures de travail pour le créer. Et une fois qu'on sait le créer, il nous faut à peu près 3h30 à 4h par fond de montre. Donc c'est un travail qui est extrêmement poussé. Même dans 5 ans, ce sera toujours là. Alors que la plupart des fonds qui sont un peu colorés ou autres, la couleur disparaît. Ici, ça ne disparaît pas puisque c'est oxydé. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est toujours en rapport avec Mont Blanc. Là, on parle du zéro oxygène, du cadran glacier qui est présent ici. On parle de la montagne Mont Blanc, la face nord. On a le Mont Blanc avec la signature sur le côté. On a le nouveau matériau CO2 avec le fibre de carbone. La boucle étant aussi fibre de carbone. Et ben voilà, Laurent Lecamp, l'intarissable Laurent. Dès que tu parles d'horlogerie, dès que tu parles de technique, dès que tu parles de Mont Blanc, c'est passionnant et c'est intarissable. Parce que la marque est passionnante. Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, c'est une tradition, puisque c'est la deuxième fois, je finis toujours avec mon ami Alex. Salut Alex. Salut Franck, salut. Ben, on survit. C'était une longue semaine, intense, beaucoup de choses. Mais évidemment, il y a les coups de cœur. Évidemment. Allez, c'est lesquels? Alors, coup de cœur, je te dirais un en particulier, Parmigiani. Parmigiani Fleurier, Guido a fait un excellent travail. La torique donne un sens d'élégance, un sens de sérénité. Le choix des couleurs, les matériaux, la finesse, le travail sur la boîte, sur le boîtier. Non, je pense qu'ils ont fait un très bon travail. Très, très bon travail. Donc, mon coup de cœur, Parmigiani Torique. Grazie, Guido. Et moi, c'est très simple, c'est « Time to reach your star ». My star is over there.
Le Watch and Wonder 2024, c'est terminé. 3 892 594 pas. Et maintenant, retour dans la capitale pour faire les montages de toutes les émissions que vous avez déjà vues, puisque c'est la fin.